Ciao tout le monde, c'est parti pour cette dernière, enfin plutôt deuxième ouverture. On va pas perdre de temps. On a changé, on passe à l'appareil photo et nous avons un Prilonil que voici. Comme toujours, ne perdons pas de temps. Et Bebop, version mutant cette fois. Et il me reste 3 minutes 40. Oh yes, Casey Jones, version 2012. Ah, j'adore. Ah, aussi une de celles que je voulais le plus. Eh bien, je suis content. Bonne ouverture pour l'instant, très très bonne ouverture. Et Silver, t'as pour l'instant aucun double. Croisons les doigts. Et en plus encore une rare, super rare même. Et on continue. Et Fugitoid version comics de 88. Professeur Fugitoïde. Ensuite, nous avons un Dragon Purple, une Unco, vraiment pas mal. Et on continue pour l'instant, pas de double. On va sortir plusieurs paquets. Hop. Et Donatello, version comics de 88. Donatello, toujours pas de double. Ça, c'est vraiment plus qu'appréciable. Croisons les doigts pour que ça continue sur cette lancée. Et un Foot Soldier encore avec les katanas transparentes de la série de 2013. Et toujours pas de double pour râper, plus qu'appréciable. Je me répète, mais c'est pas grave. Et Michelangelo, version comics de 88. Une normale. Il reste 1 minute 39 pour cette vidéo. Et nous avons encore un Foot Soldier, version 2003, transparent. Toujours pas de double pour l'instant. Et encore un Foot Soldier transparent. Hop, je fais tomber des trucs à côté. C'est pas grave. Et un Punk. Du comics, je crois. Non, série 87. Un des sbires de Rocksteady et Bebop. On arrive bientôt à la fin du premier carton, je crois. Que 4 à ouvrir apparemment, 4 sachets pour le premier carton. Il reste 46 secondes et un Foot Soldier transparent en double, premier double. Soit je l'échange, soit je le vendrai, je verrai. Leonardo version comics de 88, une seule double pour le moment. April O'Neil, deuxième double du comics de 88. Et on va finir le dernier paquet avec, eh ben, pour l'instant que deux doubles dans cette première ouverture. Allez, ciao tout le monde et sûrement à bientôt pour la suite. Bonne ouverture quand même.